Neuvaine à la Sainte Famille de Nazareth. Sixième jour. Information. La Sainte Famille est le nom donné à la famille formée par Jésus de Nazareth et ses parents Marie et Joseph. Elle est citée en exemple par l'Église catholique romaine pour toutes les familles catholiques. Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. La fête liturgique célébrant cette sainte famille de Nazareth fut instaurée par l'Église en 1893 et fixée aujourd'hui au dimanche qui suit immédiatement la fête de Noël. C'est un religieux canadien, François de Laval, qui est à l'origine du culte de la Sainte Famille. En 1685, François de Laval fonda la confrérie de la Sainte Famille. Ce culte s'est ensuite répandu dans l'Église catholique au XIXe siècle avec l'appui du pape Léon XIII. En 1660, le monastère du Bessillon avait signalé des miracles sur Saint-Joseph et Sainte-Marie. La neuvaine à la Sainte Famille va nous faire revivre des épisodes des évangiles. Ces méditations nous permettront de comprendre l'importance de la famille aujourd'hui et les qualités à rechercher dans les familles. Prier la Sainte Famille permet de protéger et d'aider votre propre famille, mais vous pouvez aussi leur confier toute famille, aussi bien la famille d'un ami que celle d'un proche, connu ou moins connu. Avoir recours à la Sainte Famille est très importante, notamment en cas de crise conjugale, de divorce, de séparation ou de toute difficulté pouvant être rencontrée dans un foyer. La demande d'un soutien pour supporter toute épreuve au sein d'une famille, tel qu'un handicap subi par un enfant ou une maladie par un parent. Tout simplement, solliciter le soutien de la Sainte Famille. Il est très recommandé de prier la Sainte Famille également pour résoudre tout problème concernant l'éducation d'un ou plusieurs enfants. Prier la Sainte Famille tout au long de l'année apporte une véritable protection à toute famille qui se confie à elle. Confions nos familles à la Sainte Famille. Sixième jour. Prière quotidienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière à l'Esprit-Saint de Sainte Faustine. Ô Esprit de Dieu, Esprit d'amour et de miséricorde, tu verses en mon cœur le baume de la confiance. Ta grâce confirme mon âme dans le bien, lui donnant une force invincible, la constance. Ô Esprit de Dieu, Esprit de paix et de joie, qui réconforte mon cœur assoiffé, verse en lui la vivante source de l'amour divin et rends-le intrépide dans la lutte. Ô Esprit de Dieu, le plus aimable hôte de mon âme, je désire de mon côté t'être fidèle, tant aux jours de joie qu'aux heures de souffrance. Je désire, Esprit de Dieu, vivre toujours en ta présence. Ô Esprit de Dieu, tu imprègnes mon être et me fais connaître ta vie divine et trinitaire. Tu m'inities à ton être divin. Uni ainsi à toi, j'ai la vie éternelle. Amen. Prière à la Sainte Famille. Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous parce que Dieu a choisi de venir dans une famille et par une famille pour sauver le monde et lui montrer son amour. Nous avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez vous. Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur. Marie, lumière et joie dans la maison, tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent. Enfant Jésus,
Tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Gardez-nous dans la paix et la prière. Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. Gardez-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres. Gardez-nous dans l'harmonie et dans la charité, et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels. Amen. Récitez une dizaine de chapelets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Méditation du sixième jour de la neuvaine. La Sainte Famille, objet de la vénération des anges. Luc 2, 16. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Le témoignage du Christ et de ses parents montre aussi l'immense rayonnement que peut atteindre une vie familiale commune vécue en Dieu, dans la simplicité et dans un grand amour partagé. La famille de Jésus nous révèle que, pour être vrai et durable, l'amour entre les époux et entre les parents et les enfants doit être bâti sur la parole donnée, échangée, partagée, gardée. Le foyer de Marie et de Joseph nous dit que l'amour réside dans la parole donnée, reçue, gardée et sans cesse approfondie en fidélité. Marie et Joseph se sont mariés en réponse à la parole de Dieu. Il est dit à Joseph, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. » Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Le foyer de Marie et de Joseph est bâti sur la parole de Dieu. Jamais nous ne pourrons connaître et dire la tendresse qui a uni Marie et Joseph. Ce qui les a unis, c'est la parole de Dieu reçue, gardée, partagée et devenue leur propre parole. Prière de Saint Jean-Paul II. Ô Sainte Famille de Nazareth, aidez-nous à entendre et à mettre en pratique la parole. Suscitez dans l'âme des jeunes une conscience droite et une volonté libre, pour que, croissant en sagesse, en âge et en grâce, ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. Faites que nous tous, contemplant et imitant la prière assidue, l'obéissance généreuse, la pauvreté digne et la pureté virginale vécue en votre sein, nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie à la Sainte Famille de Nazareth. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Saint-Esprit, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Famille du Verbe incarné, priez pour nous. Sainte Famille, image de l'Auguste Trinité sur la terre, priez pour nous. Sainte Famille, objet des complaisances du Père Céleste, priez pour nous. Sainte Famille, comblée de tous les dons de la grâce, priez pour nous. Sainte Famille, modèle parfait de toutes les vertus, priez pour nous. Sainte Famille, digne de l'amour de tous les cœurs, priez pour nous.
Sainte Famille, trésor des élus, priez pour nous. Sainte Famille, délice du paradis, priez pour nous. Sainte Famille, objet de la vénération des anges, priez pour nous. Sainte Famille, méprisée des hommes, mais grande aux yeux de Dieu, priez pour nous. Sainte Famille, refoulée de Bethléem et obligée de vous réfugier dans une étable, priez pour nous. Sainte Famille, visitée par des bergers au moment de la naissance du Sauveur, priez pour nous. Sainte Famille, vous avez entendu les concerts des anges en l'honneur de Jésus naissant. Priez pour nous. Sainte Famille, vous avez reçu les respects et les présents des mages. Priez pour nous. Sainte Famille, vous avez obéi sans délai à la voix de l'ange qui vous ordonnait de fuir en Égypte au travers de 1000 dangers. Priez pour nous. Sainte Famille, obligée de vous dérober par la fuite à la persécution d'Hérode, priez pour nous. Sainte Famille, exilée dans une terre étrangère, priez pour nous. Sainte Famille, vous avez vécu cachée et inconnue au monde, priez pour nous. Sainte Famille, vous avez mené une vie pauvre, laborieuse et pénitente, priez pour nous. Sainte Famille, vous avez gagné votre pain à la sueur de votre front, priez pour nous. Sainte Famille, pauvre des biens de la terre, mais riche des biens du ciel, priez pour nous. Sainte Famille, modèle de charité, de paix et d'union, priez pour nous. Sainte Famille, dont toute la conversation était dans le ciel, priez pour nous. Sainte Famille, dont la vie fut une oraison et une contemplation continuelle, priez pour nous. Sainte Famille, consolation des affligés, priez pour nous. Sainte Famille, espérance de ceux qui vous invoquent, priez pour nous. Sainte Famille, modèle de toutes les familles chrétiennes, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Prions. Seigneur Jésus, Fils unique, qui, par amour pour nous, vous êtes fait enfant, et n'avez pas dédaigné de mener pendant 30 ans une vie pauvre et cachée au monde, humblement soumis à Marie, votre mère, et à Joseph. Accordez-nous la grâce d'imiter ici-bas votre profonde humilité, afin que nous puissions avoir part à votre gloire dans le ciel. Vous qui vivez et régnez en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Récitez un Pater, un Ave et un Gloria en latin. Pater noster quae es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.